Vous pouvez vraiment rien faire. Madame Tillier, j'ai pas à vous répéter 50 000 fois. Une convocation émanant d'un huissier de justice et d'un avocat à la cour, on y répond. Oui, mais j'ai déménagé, je les ai pas reçus, moi, ces convocations. Écoutez, ça, Maître Velas, que je connais très bien, va pas chercher à comprendre, donc... Laissez-moi faire. Calmez-vous, surtout ne parlez pas. Restez sage. Ça arrive. Enfin, vous êtes là! Maître Velas? Oui, après 30 convocations, plus une convocation sur votre lieu de travail, enfin vous bougez! Alors, par rapport à la convocation sur le lieu de travail, Maître Velas, on est en 2012, ce ne sont pas des pratiques qui s'opèrent actuellement. Oui, mon client, 6 540 €, d'accord? Plus les frais de la procédure. Hein, tout ça pour un dégât des eaux. Écoutez, sinon, bah justement, c'est pour un dégât des eaux. On peut faire porter le chapeau, entre guillemets, à l'assurance. Quoi? Votre assurance n'est pas en défaut de paiement. Un dégât des eaux, c'était au propriétaire. Votre cliente a le géré. Madame Tillier était une jeune propriétaire, elle a mis quand même 93 000 € de sa poche pour ce premier achat d'appartement. Oui, oui, elle a très bien revendu à ce que je sache. Hein, mon client est toujours débiteur. Alors, on va discuter ça dans mon bureau et puis on va régler ça. Oh, oh, vous là, vous, je vous ai vu vous garer. Vous avez pas vu que vous vous êtes garé sur une place handicapée? Est-ce que vous savez à quoi ça sert une place handicapée, monsieur? Une place handicapée, ça sert pour que les personnes handicapées puissent se garer avec plus de facilité. Alors vous allez bouger votre voiture et très rapidement. Bon ben, je vais me garer.